La situation de la liberté de la presse en Érythrée est absolument catastrophique dans la mesure où il n'existe pas de presse libre et indépendante en Érythrée. Il n'existe aucun autre média à part les médias nationaux tenus par le pouvoir. Depuis 2001, Dawit Isaak a été arrêté, il a été mis en prison, il n'a jamais vu un avocat, il n'a jamais été présenté à un juge, il n'a jamais été officiellement accusé de quoi que ce soit. Nous souhaitons aussi que ce prix qui est remis par l'UNESCO ne reste pas lettre morte. Nous attendons donc aussi aujourd'hui de la part de l'UNESCO et notamment de son comité exécutif et qu'il y ait un vrai engagement pour essayer, suite à la remise de ce prix, à obtenir des preuves de vie de Dawit Isaak, à obtenir sa libération et que ce prix ne reste pas simplement posé sur une étagère.